Redémarrer l'enregistrement pour YouTube, à chaque fois j'oublie. Hop. Alors, ok. Donc ça arrive. Est-ce qu'on met les autres machines directement en dessous? Ou est-ce que ouais, tu les fais par tapis, d'accord. Ok, ensuite il va falloir. Du coup, question. Ressources, t'as besoin juste de d'alliage? T'en as d'autres ou pas? Ok, attends, qu'est-ce que tu veux dire d'alliage? Bah, t'as besoin de l'alliage cobalt, mais t'en as d'autres ou t'as besoin ou pas? Non, c'est ça, je veux vraiment l'alliage acier cobalt. Alors, je sais pas si c'est C'est ça que t'as différent, besoin. mais. Ouais, c'est juste ça. Et Ok. de plaques d'aluminium, mais c'est tout. Ok. C'est tout, c'est tout. Donc, de ce côté-là, ça descend par là, d'accord. Et ensuite, faire ça simple. On va placer ça comme ça. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Et merde, je suis en rate de faire. Ah. Hop. Voilà. Ensuite, il va falloir. On a besoin de d'éléments de moteur, de circuit électronique. Par contre, Arcon, je sais pas comment tu vas vouloir apporter autant de matériaux sur le coup. Mais je te fais confiance pour ça. Cela. On va juste faire ça. Comme ça, tiens. Voilà. Te fais confiance pour apporter autant de matériaux. Alors ici je vais placer les non c'est pas ceux-là, voilà ceux-là, voilà, si j'arrive à les ramasser, voilà. Ok, donc hop, ça c'est parti, ça commence à en déposer pas mal. On va placer les premiers bras. Ok. Ensuite, il faut. Des tapis partout. Des bras plutôt partout. Voilà, sauf au centre. Parce qu'au centre, on va faire l'entrée des matériaux. Voilà. Ok, et ensuite, on va avoir des tuyaux qui vont passer. Bon, ça, il va peut-être falloir décaler un petit peu plus. Ouais, hop. Excusez-moi. Souhait. Merci bien. Merci bien. Alors ça peut remonter jusqu'à là à peu près, voilà. 10, 11, 12. Alors, il va manquer ça ici. Ça passe. On a le lubrifiant qui va pouvoir sortir. Le lubrifiant qui va arriver par en bas. Non, ça continue par contre. Hop, et cela va voir ça ici. Va juste tout tourner. Hop, voilà. Et ensuite, alors Arcon, comment tu t'apportes les matériaux d'en haut? Ok, t'apportes ça. Ok, d'accord, tu fais ça comme ça. Moi, sur le coup, je vais me décaler un peu. Petit peu, hop, voilà, hop, ouais, ça vaut pas vraiment le coup tout ça. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Ok, on part sur quoi? Biocanon est fait, on peut partir sur les géodes. Je sais pas, est-ce que tu aurais besoin de ça pour faire la cristallisation des pour faire d'autres matériaux? Je sais pas si ça t'intéresse. Et plus tard, il faudra le diamant, ce genre de choses. Ok.
Céramique, pas encore utile, je pense. Robotique 2. Châssis de robot niveau 2, on n'est pas encore rendu là. Breeder fuel, pas encore. Tourelle longue portée, tourelle 3. C'est vraiment pas cher, on va le faire. Hop. Hop. Ouais, finir ça. Voilà. Ensuite, ça. Ça va se relier comme ça, tout simplement. Clac. Parfait. Ça arrive partout. Normalement, il devrait se remplir. Bon, il n'y a pas l'air de se remplir pour l'instant. Et il va manquer les moteurs. C'est quoi cette production? Quelle production? Quand tu regardes les crafts et tu mets 10 minutes, t'as le fer qui fait du haut et bas en boucle. Tu vois, je regardais. Et t'as les... Ouais, ok. Attends, peut-être que c'est. Attends, c'est trop rapide. Attends. Bah oui. Non, attends. Non, si je regarde. Ok, le bleu pâle. Bah, je sais pas. Ouais. Ouais, ok. Je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, il arrive seulement par train maintenant. Ah Donc, bah il est rapide ton train. le train arrive. Le train repart. Le train arrive. Le train repart. Je Il est mal pense. paramétré le train. Ouais, le train il est mal paramétré alors. Non, c'est juste qu'il n'y en a pas assez qui arrivent. En fait, je pense qu'on il voudrait tout le temps le faire marcher à fond, mais c'est juste que voilà, ça arrive, ça disparaît en 30 secondes, c'est tout. Non, ce que je veux dire c'est que le train il est mis à 60 secondes, ce qui est un peu court. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, mettre 60 secondes et qu'il repart, c'est Ouais, pas bon. rentable. Ça consomme plus de carburant qu'autre chose. Enfin, Ouais, c'est pas un problème, mais bon. sauf qu'il a pas les Il a pas la capacité, vraiment, il n'y a pas assez de production de toute façon pour le faire marcher 2 minutes. C'est juste qu'il y aura un plus gros vide à chaque fois. En tout cas. Oui, mais les buffers, ils servent à ça. Ouais, pourtant il y a un buffer, je te le dis. C'est juste que ça passe direct dans les fours, tout ça. Ça passe en 3 secondes et c'est disparu. C'est vraiment ça le souci. Donc il manque les moteurs. Attends, je vais finir ça ici. Merde, je manque de dos. Alors, ok, Arcon a ta partie à grosse production de ce côté-là, d'accord. Ok, je vais t'aider. Je vais relier ça ici. Hop. Voilà, le fer arrive tranquillement de ce côté-là. Hop. Voilà. Les tuyaux vont pouvoir sortir par ici. Par en haut, qu'est-ce que tu voulais faire? Les plaques de fer tout court, qu'est-ce qui manque? Chlorine, coque. Coque cracking, ça pourrait être utile peut-être. Cannon shell, accumulateur niveau 2, pourquoi pas. Salut. Salut Bartus. Salut. Alors, que je regarde les moteurs. À chaque fois, je sais jamais où les trouver. C'est plus simple de taper moteur. Alors, tuyau, engrenage, plaque d'acier. D'accord. Hop. Alors. Alors, l'acier par là. Donc, je sais même pas pourquoi il réapparaît là en fait. Voilà. Ok, ça peut passer par là. Et on va vouloir le faire descendre en bas. Tu voulais faire une usine d'acier. Ah, ok. Mais en fait, on en a déjà un petit peu là. De toute façon, bon, juste récupérer de là pour l'instant. Mais parce que je pense pas que ce soit la meilleure place de faire ici une usine d'acier en fait. De toute façon. Hop. Hop, voilà. Ça va arriver comme ça.
Les tuyaux arrivent par là et il va manquer les engrenages aussi. Les engrenages qui, bon, qu'on peut produire à mon avis avec ce que tu as fait ici. C'est quoi les ratios déjà? Hop. Moteur, c'est une plaque d'acier, un engrenage. Ok, donc c'est cela qu'on va mélanger ensemble. Hop. Ouais. Ça, et ça va se mélanger avec. Hop. Ouais, ça. Ça, ce qui est bien, c'est qu'avec les modes qu'on a, on peut juste cliquer ça ici et dire je veux que tu le déposes plus loin. Et ça a marché. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça prend au milieu. Ouais. Ah ok, t'as fait les deux comme ça, ouais pourquoi pas. Sauf qu'on a besoin de beaucoup de tuyaux en fait. Donc le meilleur ratio serait de mettre l'acier et les engrenages. L'acier et les engrenages ou tuyaux. Ouais, plaque d'acier et engrenage ensemble. En fait, les tuyaux devraient rester séparés. Hop. Plus de tuyaux. Clac. Ça comme ça. Voilà. Ok, ça se resépare. Par contre, non, c'est pas des tuyaux que je voulais faire là. Engrenage. Ok, on va récupérer tout ça. Voilà. Par si tu veux les faire en bas. Tout cas, je vais commencer à porter les tuyaux. Je te laisse finir le reste. Hop. Ah, ça peut pas sauter. Est-ce que ça peut sauter de l'autre côté? Non, pas tout à fait. Hop. Voilà. Ouais, le reste c'est en haut. Hop. Ouais, et ça c'est là. Ok, bon, j'avais peut-être pas besoin d'utiliser des souterrains pour tout ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, ici on peut monter. Alors, on arrive jusqu'en haut. Ça arrive ici. On monte, on monte, on monte. Et on arrive ici. Ça arrive, c'est séparé là-dessus. Parfait. Ensuite, prochaine recherche qu'on peut partir, Advanced Oil Processing, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Ah merde. D'accord, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en posant du esprit sans faire exprès. Oh. Juste un bras qui est pas alimenté, du coup, il n'y a plus rien qui est produit. Ouais, dommage. Dès que j'ai mon véhicule, je viendrai voir. Comment est-ce que tu avances? Hop, je vais juste prendre un petit peu de temps encore. Ok, grosse zone pour les engrenages. Arcon, il est parti à fond. Hop, ça ici, ça sert à rien que ça aille aussi loin. Ouais. Okay. Hop, 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 hop. Alors, je veux prendre lui. Hop, hop, voilà. Ok, ça c'est bon. Celui-là, je vais t'aller chercher ici. Toi, je veux que tu poses une case plus loin.
je veux que tu prennes ici. Non, toi t'es bon, c'est toi ici que je veux modifier, je veux que tu ailles chercher ici. Voilà. Ok, ça normalement ça marche. Ok, donc là on a des tuyaux. Les engrenages. Pareil. Hop, ouais. Oh, on se fait attaquer à côté de Bartus, sauf que Bartus c'est pas là. Ah, pourtant, ok. Alors, ces tourelles qui se font détruire, c'est pas la fin du monde. Et ça a l'air d'être passé. Bon. Ah ouais, quand chance qu'il y ait une autre toile en arrière. Je vais peut-être lui mettre des petits murs autour. Je vais chercher ça. Parce que ça aurait pu faire beaucoup plus de dommages. Hop. Quelques petits murs. Ouais, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en haut. Ils sont ici. Ok. Alors 500 murs. Ça devrait être suffisant. Advanced Oil Processing, on va faire de l'asphalte. C'est, ah ouais, c'est un peu cher. Vitesse de marche 130% par contre. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Capacité de transport des robots. Tiens. Ça, on va l'encercler. Voilà. Priorité à la vitesse, je pense, hein, dans les deux. Qu'est-ce que tu dis? Priorité à la vitesse plutôt que le transport. Hein. Ok. Hop, alors je vais replacer les tourelles. Par contre, ah ouais, par contre là, j'ai dit que j'ai pas de munitions pour eux, ce qui est pas vrai. C'est juste qu'elle n'était pas à bonne place. Alors, tourelle mitrailleuse MK2. Alors, combien elles font? Bonus de dégâts 150, cela c'est 100. Ok, ouais, c'est à peu près tout. Merde, il manque un truc. Attends, je vais peut-être mieux les placer que ça. On va les placer. 1, 2, 3. 2, 3, voilà. Quelques murs autour. Et prochaine fois, il ne devrait pas y avoir trop de destruction. Voilà. Voilà. Ok. Les petites défenses. Ici, on a du multiphase oil. C'est bon. Alors, ça a été fait. On pourrait aussi faire les murs renforcés avec du. De l'acier à un moment donné, je sais pas si ça vaut trop le coup puisque sur le coup on utilise moins de briques de pierre, mais la vie est quand même deux fois plus haute, ce qui peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors, de quel côté c'était? Ok, parfait. Ça t'a fini ça. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Beau travail, Arcon. Ça devrait produire en 2 secondes maintenant. Le seul truc qui va manquer, c'est les circuits électroniques. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. Mais à part ça, tout est bon. Hop, circuit électronique. Je peux lancer la production d'acier cobalt, il me manque juste du fer. Plus de fer sur moi. Du fer, bah si t'attends 5 minutes, je peux t'en ramener en fait par avion, le temps que j'ai mon avion, mais sinon tu peux venir en chercher. T'auras déjà l'avion. Ouais, dans pas longtemps. Et tu veux pas du acier cobalt pour ça? Ouais, pour faire l'avion de combat. Là, ça va être un avion cargo. C'est moins Ah. puissant, mais ça va marcher aussi. Par contre, on a. Il coûte quoi, Kraft? L'avion cargo, il coûte. Attends que je te dise ça. Il coûte assez cher quand même. Mais 128 éléments de moteur, 400 plaques d'acier, 500 plaques de fer, 20 circuits électroniques avancés, un fusil d'assaut. Et il consomme 1,2 MW. Il est où? Dans combat. Ah oui. Que le gunship. Qui est celui que je voudrais en tant que tel comme vaisseau de combat. 5 lance-roquettes, 5 fusils d'assaut, 40 circuits électroniques, 64 éléments de moteur, plaques d'aluminium et plaques d'alliage acier cobalt.
Il y aurait moyen d'en avoir un aussi après. Ben ouais, là on était sur la production des moteurs, donc une fois que c'est parti, ce qui devrait être le cas, c'est juste que là on va manquer de circuits électroniques sur le coup. Après ça, ben ouais, y a pas de souci. Par contre, ce qui est connu, c'est que le gunship est moins cher. Ouais, mais il demande des matériaux plus complexes. Donc je dirais quand même qu'il est plus cher. Bon, je me suis déjà fait des pioches en acier cobalt, hein, ça va bien mieux. Ouais. Ah, c'est vrai que je pourrais les faire ceux-là aussi. Hop. Ah non, je peux pas les faire, c'est vrai. Il faut que j'aille chercher les matériaux chez toi. Par contre, là, pourquoi est-ce que ça produit pas? Ok, parce qu'il manque d'éléments de soudure. Ouais, ça c'est horrible, les éléments de soudure. Il y a une énorme production, mais ça suffit pas parce que c'est pas assez rapide. Pourrait faire en tant que tel avec des convoyeurs et tout ça, on pourrait faire les éléments de soudure, pas les éléments de soudure, les tapis 3 pour en transporter plus. Hop, quelques-uns de plus. Engrenage, on stocke ça là. Être sur leur ligne et non partagé. Ouais, je sais, c'est juste de la façon que c'est fait. Attends, mais les attaques doivent être énormes, hein, en haut. Ah non, ok, c'est de l'autre côté. Bon, bah, je vais retourner défendre ça. Parce que je me disais aussi. Voilà, tout ça. Et il va me falloir plus de munitions. Sur le coup. Ok, je remonte ici. Hop, si j'arrive à m'y rendre. Coucou Bartus. Coucou. Hop. Ouais, il va falloir vraiment plus de murs ici. Plus de On vient murs. de se faire attaquer, non? Ouais. Deux fois de suite. Mais des deux côtés en fait. Alors j'ai défendu en bas et ensuite on s'est fait attaquer en haut. Voilà. Alors là je rajoute des murs aux tourelles en fait, tout simplement. Alors, où sont mes tourelles ici? D'accord. Voilà. On s'est fait attaquer où là? Du charbon Bon. à l'ouest. Bon, on se fait attaquer partout. Notre pollution commence quand même à être élevée. Facteur d'évolution 70%. D'ailleurs, je remarque qu'on a presque plus de bois qui rentre. Comment ça se fait? Ouais, c'est normal, je suis en train de Ok. regarder. Ok. Et ça produit combien? Ces petits trucs-là. 30. 30? Ah ouais, quand même. Mais c'est surtout à base, c'était pour avoir du wastewater là, pour faire du soufre. Ok. Ok. Donc ça a deux utilités, quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est bon. Je vais arrêter